Bonjour à tous, bienvenue à bord de ce carnet de vol, un tour d'horizon de l'actualité aéronautique et spatiale de ces derniers jours. Au sommaire, le nouvel Airbus Beluga bientôt dans les airs. Le Beluga XL est prévu dans le ciel l'été prochain. En attendant, la phase d'assemblage se poursuit à Toulouse. Nous reviendrons également sur la saga de cet avion géant de transport. Nous irons également du côté de Bordeaux à la rencontre d'un prof d'anglais, fan absolu de cuisine indienne, à tel point qu'il fait venir ses plats préféré en avion directement de Londres. Le cuisinier aussi est à bord. Enfin, nous verrons que les métiers de l'aéronautique se féminisent de plus en plus. Exemple, dans la marine nationale, qui est en pointe dans ses métiers traditionnellement masculins. Nous ferons connaissance avec Audrey, technicienne sur les hélicos de la base aéronavale de Maupertuis, en Normandie. Mais d'abord, des nouvelles d'un autre géant des airs, l'Airbus A380, 11 ans après son premier vol commercial. Voici les premiers A380 d'occasion. La compagnie charter portugaise iFly vient d'acquérir un gros porteur qui avait volé sous les couleurs de Singapore Airlines, premier client de la 380. Elle doit acquérir prochainement un deuxième appareil du même type, des avions qui ont été reconditionnés au pied des Pyrénées chez Tarmac sur l'aéroport de Tarbes. Lui aussi ne passe pas inaperçu, c'est le Beluga d'Airbus, voilà bientôt 20 ans, qu'il transporte de gros éléments d'avion. L'heure est venue de lui trouver un remplaçant, le Beluga XL, premier vol en juillet, si tout va bien. Christophe Nedart et Jean-Pierre Duns. Une tête de baleine et un sourire rassurant. Voilà à quoi va ressembler le nouveau Beluga XL. C'est dans ce hangar que l'avion cargo est assemblé. 80 compagnons travaillent jour et nuit. Si Airbus s'est lancé dans ce programme il y a 4 ans, c'est pour faire face aux nouvelles cadences. L'ancien Beluga était devenu trop petit, notamment pour transporter des pièces de l'A350. À ce jour, le Beluga actuel ne transporte qu'une demi-voilure. Donc c'est pénalisant pour Airbus et grâce à ce nouvel appareil, on pourra transporter une paire de voilures complète. Donc améliorer les rotations entre les différents sites d'Airbus et la chaîne d'assemblage de Toulouse. Pour construire le nouveau Beluga, les ingénieurs d'Airbus se sont appuyés sur l'A330 et son moteur Rolls-Royce. Le reste de l'appareil a dû être inventé pour répondre aux besoins de l'avionneur. Grâce à des dimensions XL, la capacité de transport de ce supercargo a été augmentée de 30%. La baie cargo sera plus grande, donc elle aura à peu près 1 mètre de diamètre de plus que le Beluga ST d'aujourd'hui et elle aura une hauteur d'un demi-mètre de plus. La surface utile de la baie cargo fera environ 6 mètres de plus. Et au-delà des dimensions géométriques, nous pourrons aussi emporter de l'ordre de 4 tonnes de plus dans le nouveau Beluga XL par rapport à un Beluga ST. La mission du Beluga XL, en revanche, ne change pas. Il va continuer de transporter les éléments d'avion Airbus entre les sites de production européens. Le premier vol est prévu pour cet été, pour une mise en service dès 2019. D'ici 4 ans, 5 Beluga XL devraient sortir de cette ligne d'assemblage. Voilà pour le futur Beluga XL. Alors l'histoire des très gros avions de transport commence dans les années 60-70. Thierry Santous retrace cette saga qui commence avec le Super Guppy. C'est avec le Super Guppy, l'ancêtre du Beluga, que commence la saga du transport des éléments de structure d'Airbus. Ce stratocruiser américain avait été modifié en Californie pour transporter des tronçons de fusées. Airbus l'adoptera pour ses tronçons de fuselage. Après 25 ans de bons et loyaux services, il cède sa place en 1996 au Beluga. 5 exemplaires du célèbre supercargo seront produits sur la base de l'A300-600, premier des Airbus produits à Toulouse. Aujourd'hui arrive donc son successeur, le Beluga XL. Lancé en 2014, ce programme est une version augmentée du Beluga. Sur la base de l'A330, il gagne 1,50 m de diamètre de fuselage et pourra ainsi transporter les tronçons de l'A350. Avec ses 63 mètres d'envergure, il est 15 mètres plus large que son aîné et 7 mètres plus long. Le Beluga XL pourra porter 52 tonnes de charge utile à chaque voyage. Il a été présenté en juin dernier pour son roll-out
Airbus accentue le capital sympathie de cet aéronef, avion unique au monde, en dessinant sur sa livrée les yeux d'une baleine blanche et la bouche du cétacé. Son premier vol aura lieu à la mi-2018, l'entrée en service en 2019. Et le Beluga n'est pas le seul à avoir un gros capital sympathie. Nous partons à présent en Belgique, où la compagnie Brussels Airlines rend hommage à Peyot, le dessinateur des célèbres Schtroumpfs, Valéry Lerouge. Une inauguration en grande pompe pour l'Airbus A320, entièrement rhabillé aux couleurs de la bande dessinée la plus célèbre de Peyot. Aux commandes de l'appareil, la Schtroumpfette, le grand Schtroumpf lui est copilote, et au total 19 créatures bleues sont peintes sur la carlingue, entremêlées de clins d'œil à la Belgique, un avion qui ravit les plus jeunes passagers. Franchement, il est chouette. Les Schtroumpfs avant, je les ai beaucoup, j'ai vu les deux films. Le thème et le dessin ont été retenus parmi 1400 propositions envoyées à la compagnie qui avait organisé un concours d'idées. Aerosmurf devient ainsi le cinquième avion icône. Il y a celui de Tomorrowland, le festival de musique électro connu dans le monde entier, l'Airbus en hommage au peintre surréaliste Magritte, l'avion dédié au Diable Rouge, l'équipe nationale de football, et évidemment Tintin. Il a un sentiment de fierté parce qu'il y a les Belges qui se sentent chez eux quand ils montent à bord chez Brussels Airlines, mais il y a aussi les étrangers qui se disent bah, « la Belgique a quand même beaucoup à offrir parce que tout le monde connaît Tintin, mais tout le monde ne sait pas que c'est belge ». L'effet de surprise est garanti chez les passagers qui visiblement apprécient. On est parti la dernière fois avec Bruxelles, avec le football, on est revenu avec Magritte et maintenant avec Tintin. Face au plébiscite, la compagnie est bien décidée à décorer d'autres avions, mais le prochain thème reste à définir. Pour vous ouvrir l'appétit, rien de tel qu'un repas insolite, un repas livré par avion à Bordeaux. Voici l'histoire d'un pilote amateur qui fait ses courses en avion de l'autre côté de la Manche, dans un restaurant indien. La cuisine y est, paraît-il, bien meilleure. Reportage de Maria Lafourcade et Marc Lasbarère. C'est ce qu'on appelle se faire livrer à domicile. 700 km par avion pour manger ses plats indiens préférés, tout droit venus d'Angleterre. L'idée farfelue d'un expatrié anglais a pris forme cet après-midi sur le tarmac de l'aérodrome de Sokat. Il n'y a pas eu de turbulence. On a eu peur à un moment que la sauce commence à gicler un petit peu partout dans la cabine, mais ça ne s'est pas produit. Du coup, tout s'est bien passé. La sauce au curry est arrivée à bon port, pour le plus grand bonheur de James Emery, installé à Bordeaux depuis 10 ans. Dans la vie, cet anglais forme les futurs pilotes d'avion à sa langue maternelle. C'est donc tout naturellement qu'il a choisi ce moyen de transport pour faire venir sa nourriture préférée. Je me plaignais en fait du fait qu'on ne trouvait pas le même genre de cuisine indienne en France qu'en Angleterre. Et en fait, on a dit ça en rigolant au début, Faz m'avait proposé de me livrer un repas ici à Bordeaux. Au départ, ça devait se faire par la route avec une voiture, puis ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis en fait, j'ai proposé de faire ça en avion. Il y a un certain réconfort dans la cuisine indienne britannique, on va dire, qu'on ne retrouve pas forcément en France. Donc on peut faire 700 km pour ça? Je pourrais même en faire 2000, si j'en avais la possibilité. Si James Emery est prêt à faire autant de kilomètres, c'est pour goûter la nourriture de cet homme, restaurateur à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. D'habitude, nous faisons des livraisons jusqu'à 7 km à la ronde. Là, il s'agit de 700 km. On existe depuis 40 ans et on n'a jamais fait une chose pareille. On est très excités. Et les deux hommes n'ont pas fait le voyage à vide. 80 repas ont été acheminés pour un dîner franco-britannique improvisé dans les hangars de l'aérodrome de Sokat. Retour au-dessus de la Manche où la pêche est très réglementée pour protéger les coquilles Saint-Jacques. Les professionnels ont mis au point un système de surveillance aérien au-dessus de la baie de Seine. Ils se sont associés pour cela aux affaires maritimes. Reportage de Danilo Comodi et David Frotté. Au large du Calvados, les dernières dragues de coquilles sont relevées avant 11h, leur limite. Et pour vérifier que les coquillards respectent bien les horaires, une agent des affaires maritimes va prendre l'air. On va survoler le secteur baie de Seine. Les zones 3, 4 et 5 sont ouvertes aujourd'hui jusqu'à 11h. Du coup, on va aller voir si les pêcheurs respectent bien l'arrêté. La zone de contrôle va de Cabourg à Utah Beach.
À l'approche des premiers bateaux, le pilote descend à 150 mètres d'altitude et tourne autour de chaque coquillard. Je regarde si je vois en fonction de la trace et en fonction de si on est assez proche, si on est en pêche, donc si les funes sont tendues et les engins sont à l'eau. Les contrôles sont menés par les affaires maritimes, mais les heures de vol sont payées par le comité régional des pêches. C'est une première, car pour les professionnels, le respect des règles est essentiel. C'est pour préserver la ressource, afin que l'année prochaine, il y ait des coquilles un peu plus grosses à pêcher, et qu'on garde justement ce fameux reliquat, et aussi pour limiter les apports sur le marché. Ce jour-là, il y a un doute sur un bateau. Les dragues, elles sont à l'eau. J'ai l'impression qu'elles sont chargées. Mais pas de certitude pour déterminer un flagrant délit. Sur le vol précédent, il y a un mois, Sonia Patron avait relevé 6 infractions. Les pêcheurs risquent jusqu'à 2 semaines de suspension de licence. Et au retour à terre, les avis sont partagés sur cette initiative qu'ils financent à travers leur comité. On est fliqués toute l'année. Maintenant, on a l'habitude, mais bon. Il faut des contrôles, il en faut, mais il n'en faut pas abuser non plus. C'est pire que quelqu'un qui a un bracelet électronique. Je pense qu'un jour, ils vont nous mettre un bracelet électronique. C'est pire que ça. Depuis décembre dernier, le survol de la baie de Seine a permis de sanctionner une 15aine de pêcheurs. On vient de voir une pilote des affaires maritimes. Dans l'armée aussi, de plus en plus de métiers se féminisent. 23% de personnel féminin dans l'armée de l'air, des femmes pilotes de chasse, mécaniciennes, mais aussi contrôleuses aériennes. Un exemple sur la base aérienne de Nancy-Auchet. Cécile Boisson, Delphine Lahonde. Bienvenue à la tour de contrôle de la base aérienne 133, dans la salle de vigie plus précisément. C'est ici que les contrôleurs aériens guident les pilotes lors des décollages et atterrissages sur la piste. Cortex 85, contact ground, 122.1, and you can drop the chute on Delta Strip. Emeline, 25 ans, est officier contrôleur circulation aérienne à Auchet depuis un an. Elles ne sont que 2 femmes à ce poste sur la base. Après un parcours sans faute, Emeline entre major au concours de l'école de l'air pour 3 ans. S'en suivra 1 an de formation en contrôle aérien, le temps d'intégrer entre autres toute la phraséologie bien spécifique à ce métier qu'elle a toujours voulu exercer. Delta est inutilisable. Effectivement, j'étais déjà passionnée. Puis après, le milieu de l'armée m'a toujours intéressée. Mais je ne me voyais pas dans un avion. Donc en fait, je me suis assez jeune dit que contrôleur, c'était pour moi parce que finalement, j'étais les yeux du pilote, mais j'avais de grandes responsabilités envers les pilotes. J'étais proche du milieu aéronautique et à la fois, je restais sur Terre. Pour Emeline, le fait d'évoluer dans un monde masculin n'est pas un problème. Contrairement à l'armée de terre, l'armée de l'air est une armée plutôt féminisée. À la BA 133, par exemple, on compte 225 femmes sur un total de 1580 militaires. Parmi elles, 19 officiers, 95 sous-officiers, dont 55 mécaniciennes et 111 militaires du rang. Pour Emeline, la féminisation est en cours, y compris au plus haut niveau. Des femmes très haut placées, officiers supérieurs, général, etc. On va le voir là dans les années qui vont arriver. Après, effectivement, maintenant, on ne le voit pas forcément. Des femmes générales, il n'y en a pas encore beaucoup. Alors moi, si tout se passe bien, je vois ma carrière dans l'armée et notamment dans le contrôle aérien. Donc effectivement, peut-être dans un peu moins d'une dizaine d'années, si tout se passe bien, je pourrais être commandant d'unité. La carrière de la jeune femme, qui est encore tutorée pour certaines tâches, ne fait que commencer. D'ici quelques semaines, si tout va bien, Emeline pourra vraiment être les yeux du pilote. Autre exemple sur la base aéronavale de Maupertuis, près de Cherbourg. Nous allons découvrir à présent l'activité du second maître Audrey, 24 ans, mécanicienne dans la marine nationale. Reportage de Sylvain Ruil et Susanna Nevenkic. C'est le fer de lance aérien de la Marine nationale. Depuis 2016, le Caïman assure en Manche des missions de sauvetage et de lutte contre le terrorisme. Un concentré de technologies mobilisables 24 heures sur 24, été comme hiver, et sur lequel veillent les hommes, mais aussi les femmes du détachement de Maupertuis. Ce jour-là, Audrey se prépare pour une séance d'escalade. Donc là, en l'occurrence, il va falloir qu'on ouvre un capot moteur, pour faire des compléments. Donc on s'équipe. Audrey n'a que 24 ans, mais déjà une solide expérience. Passionnée d'aéronautique, issue d'une famille de militaires, elle est ici chez elle. L'hélicoptère, personnellement, je trouve ça quand même quelque chose, une machine vraiment fascinante.
parce que autant les avions, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais alors l'hélico, on peut se dire qu'on peut vraiment voler, faire ce qu'on veut dans les airs, c'est du point de vue mécanique et technologique, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La base 33F compte aujourd'hui 3 femmes pour 17 hommes. Et si aucune ne pilote ou ne commande une bordée, leur rôle est primordial et reconnu par tous. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce qu'on peut entendre et qui est complètement dépassé aujourd'hui. N'importe quel homme ou n'importe quelle femme qui le veut et qui le souhaite peut trouver sa place dans l'armée, il n'y a aucun souci avec ça. Les deux moteurs de 2300 chevaux ronronnent. Audrey s'apprête à passer la main. Le Caïman est paré pour sa prochaine mission. Tout autre chose à présent. Vous savez que l'animateur Stéphane Bern, missionné par Emmanuel Macron, a récemment dévoilé sa liste des monuments en péril. Eh bien, on y trouve un petit aérodrome, celui de Thies, près de Besançon. L'objectif est de trouver des fonds pour le remettre en état. Thibaut Martinez, Delkerou et Laurent Brocard. Il a fêté ses 80 ans l'an dernier. Avec ses 7000 m² de tôle et sa structure de type Eiffel, le hangar de l'aérodrome de Thies est unique en France. Classé monument historique en 2007, il est aujourd'hui recouvert de rouille. Le risque, c'est que des tôles s'envolent en cas de gros vent, s'affaissent en cas de neige, etc. Donc il y aurait un frein dans l'activité, ce qui serait dommage. Pour sauver cet édifice, le coût de la rénovation s'élève à 2,5 millions d'euros. État et collectivités devraient financer ce projet qui pourrait être boosté par une enveloppe supplémentaire de 300 000 euros si le site venait à être retenu parmi la sélection finale de Stéphane Bern. Ben nous, tous les pilotes, ça nous réjouit parce que le hangar donne des signes de fatigue, pas tellement mécanique, mais quand il pleut, ben nos avions sont mouillés là, en dessous. L'aérodrome de Thies sera dans quelques jours s'il est définitivement sélectionné. Coup de pouce ou non, les travaux devraient avoir lieu cet été, ce qui n'empêche pas le maire d'espérer. On trouve dans la liste des dossiers qui ont été retenus des fontaines, des églises, enfin des lavoirs. Donc des sites, que je vais dire, un peu classiques. Et ce site qui est un peu original, à mon avis, a certainement ses chances d'être sélectionné la semaine prochaine. À la rentrée, le site devrait donc être flambant neuf, un lifting idéal pour faire redécoller son activité. Et s'il y a une activité qui a bien besoin de redécoller, c'est le marché de l'aviation d'affaires. Le groupe Dassault Aviation vient de présenter son tout nouveau Falcon, le 6X, un appareil censé relancer un marché morose. Serge Guignet et Sylvie Tusque-Mounet. Ce n'est encore qu'une maquette et un numéro dans la famille Falcon, le 6X. Le nouveau-né des jets d'affaires de Dassault Aviation présente un visage familier. Il est en fait le grand frère du 5X. Ce jet, présenté en 2013, Safran n'a jamais réussi à lui fournir de bons réacteurs. Dassault a donc décidé d'abandonner ce projet, un investissement d'1 milliard d'euros, immédiatement repositionné sur un nouveau jet d'affaires équipé de réacteurs canadiens cette fois. Nous avons décidé de rebondir par le haut et de choisir un nouveau moteur. Le nouveau moteur est le moteur Pratt & Whitney, qui est un petit peu plus puissant, un petit peu plus gros, et donc nous avons dû adapter le dessin de l'avion, c'est-à-dire faire un avion un petit peu plus grand, avec un petit peu plus de fuel, et donc trouver des caractéristiques qui sont encore meilleures que ne l'était le 5X. Dans un marché de l'aviation d'affaires plutôt ralenti, avec le 6X, Dassault compte occuper une niche enviée par la concurrence, celle des jets capables de rallier Paris à Los Angeles sans escale dans une cabine de très grande taille. Premier test en vol attendu pour fin 2020 au-dessus de Mérignac. On a beaucoup de passages au banc, on a des bancs de simulation qui nous permettent de tout valider avant de partir en vol. On y va de manière très progressive. J'aurais tendance à dire qu'avant, il y a plusieurs décennies, quand le pilote revenait de son vol, c'est que l'avion était bon de vol. S'il ne revenait pas, c'est qu'il y avait un problème. Maintenant, c'est hors de question. Véritable pari industriel pour Dassault, le 6X, vendu aux alentours de 45 millions d'euros l'unité, devrait permettre à l'avionneur de reprendre un peu d'altitude dans le civil et offrir un plan de charge à ses unités de production de Biarritz, Martignas et Mérignac. Beaucoup plus festif, une entreprise bordelaise, Droniso, s'est passée maître dans l'art de domestiquer les drones. Elle est devenue leader mondial des spectacles de drones qu'elle parvient à faire voler en essaim.
Reportage d'América Lopez et Sébastien Delalo. Parfaitement en rythme avec la musique. Ces drones intelligents sans pilote suivent une chorégraphie programmée à l'avance. Ils se repèrent grâce aux mires de couleurs dessinées sur le sol. Installée dans un hangar à Bègles, la société Dronisos conçoit et teste ici tous ses appareils destinés au spectacle. Grâce à l'outil de modélisation 3D qu'on a développé en interne, on peut synchroniser parfaitement le rythme de la musique, les mouvements des drones et aussi à terme aussi le mouvement de l'artiste quand en intérieur notamment il y a une performance artistique. En ce moment, vous pouvez voir leur drone sur la scène du Cirque Arlette Grus à Bordeaux. Dronisos a également créé un spectacle pour le Futuroscope de Poitiers. Alors là, on arrive dans l'atelier. Donc c'est là où on a tous nos drones, à la fois donc, les drones qui nous permettent de faire des spectacles en extérieur. On améliore le drone grand public que n'importe quelle personne peut acheter dans le commerce avec de l'intelligence électronique, de la structure mécanique et aussi à l'intérieur, dans le logiciel du drone, on vient rajouter des lignes de code. L'équipe de 6 salariés composée d'ingénieurs assure 45 spectacles par mois, des prestations facturées entre 15 000 et 150 000 euros. En un an d'existence, la jeune start-up réalise déjà plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Ces shows de drones font sensation aux quatre coins de la planète. Le dernier, c'était au Koweït pour la cérémonie d'ouverture de la Gulf Cup. 80 drones ont volé en même temps dans un stade. Là, vous voyez bien que les drones lumineux sont coordonnés et ils font un mouvement synchronisé. Voilà, et c'est ce genre de ballets qui sont très appréciés. Il faut toujours adapter la chorégraphie à l'environnement. Il se peut qu'on ait des câbles de partout, des spider cam. Et à ce moment-là, ça nous pose des difficultés, mais on s'adapte. Tous les tests en plein air se déroulent à l'aérodrome de Sainte-Hélène en Gironde. Dronisos prépare actuellement un spectacle à 200 drones. Eh bien, je vous propose de découvrir justement l'un de ces spectacles de drones direction la piste du Cirque Grus qui vient de lancer un tout nouveau numéro de drones apprivoisés. América Lopez, Dominique Mazère. En place, ici, Scooby-Doo. C'est bien. Allez, une cage pour des fauves, un costume de dresseur, mais à la place des animaux, place. Des drones. Le clown parodie un numéro de domptage. Comment on fait pour dresser un drone? Ça prend du temps? Ah oui, des années. Des années, il faut établir une confiance. Petit à petit, on le nourrit, on le laisse grandir et tout, etc. C'est au niveau de... Il change trois fois d'hélice avant l'adolescence et troisième paire d'hélice, c'est bon, il est bon. Magie du cirque, mais surtout magie de la technologie. C'est une jeune start-up bordelaise, Dronisos, spécialisée dans les spectacles de drones, qui a imaginé des programmes embarqués. Les appareils sont entièrement automatisés. Il n'y a pas un pilote pour chacun des drones, donc 10 pilotes en bord de piste. Non, au contraire, il y a juste un bouton on-off. Et au on, chacun des drones a l'instruction et démarre sa chorégraphie, et donc sans pilote. Et après, tout l'art de l'artiste au milieu, c'est de créer l'interaction. Et voici le cirque à l'heure des objets connectés. Et c'est plutôt réussi. Ça donne un autre aperçu du cirque. C'est pas forcément les clowns normaux. C'est la technologie moderne, ça a beaucoup plu. Novateur et très enthousiasmant. Tu veux qu'on t'applaudisse peut-être? Ah ça c'est malin ça. Et c'est l'heure à présent de retrouver nos amis de l'Occitanie sous nos ailes qui survolent aujourd'hui Montpellier avec un invité surprise, le Mistral. C'est donc un début de Mistral que nous avons, donc un vent direction du nord vers le sud. Il déboule le long de la vallée du Rhône. Corbassac de Fox JTV, je décolle en 36. Nous ne sommes pas seuls sur la piste. Nous accompagnons des chevaux sauvages au décollage. Sous nos ailes, la Méditerranée et ses étangs. Cap sur Montpellier. Nous survolons le quartier Antigone, dont le style architectural rappelle la Grèce antique. Ici, le centre-ville, avec la cathédrale Saint-Pierre qui jouxte la faculté de médecine.
plus au sud de Montpellier, on passe par l'étang du Méjean et un long cordon dunaire avant d'arriver à la Grande Motte. Son architecture s'est inspirée des pyramides de Teotihuacan au Mexique. On se fait surprendre par le Mistral. 81 km/h de vent de face. Comment ça se fait qu'il y a un vent pareil, hein? C'est fou, hein? On peut pas faire de prise de vue aérienne avec 80 km/h de vent. Oui, on aimerait faire demi-tour et rentrer au bercail. En fait, ça se coupe pas mal. On peut faire un retour à 3000 et se reposer. Encore un faux départ. Ce vent, il passe pile poil face à nous, derrière les Alpes, donc c'est hyper dangereux. Grand sac de Fox Juliette Québec, on est posé et on roule pour le parking visiteur. Ouais, c'est dingue, on peut pas prévoir. À Nîmes, il y a 10 nœuds, 14 nœuds, et puis là-haut, il y en a 25, quoi. Attends, on est arrivé à 85 km/h à un moment, là. Sitôt décollé, aussitôt posé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en attendant d'autres aventures sur Terre et dans le ciel. Merci et à bientôt.